au nom du Christ qui nous donne rendez-vous dans notre humanité. Et au nom de l'Esprit Saint, souffle de vie, notre consolateur, que nous vous accueillons aujourd'hui. Bienvenue à chacun et chacune. Vous qui êtes venus de près ou de loin en ce samedi après-midi. Vous qui êtes restés chez vous et que vous vivez cette célébration avec nous, derrière votre écran. Merci à vous de nous faire cadeau de votre présence. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour vivre ensemble cette célébration de l'espérance. Nous attendons qu'une grande lumière s'élève sur les ténèbres, particulièrement sombres et profondes cette année. Cette lumière, les prophètes l'ont annoncée. Nous l'attendons. Nous nous préparons à la recevoir, à l'accueillir. Nous voulons prendre le temps de nous arrêter, de nous préparer à accueillir Jésus, notre Seigneur, le Christ donné pour la joie de toute la terre. Nous voulons célébrer Noël. Cet après-midi, nous ne pouvons pas chanter, mais nous pouvons laisser la musique envahir notre cœur. Nous pouvons lire les paroles des chants qui nous rappellent que Dieu est avec nous. Nous nous rassemblons en présence de Dieu. Et nous ne sommes pas seuls dans cette rencontre. Avec les anges au plus haut des cieux, nous sommes réunis pour louer Dieu. Avec les croyants de tous les temps et de tous les lieux, nous sommes réunis pour louer Dieu. Avec l'orgue et le violon, que le nom de Dieu soit loué. Dans les bas-fonds et les cathédrales, que le nom de Dieu soit loué. Dans les maisons et derrière les écrans, que le nom de Dieu soit loué. Et ici, avec nos cœurs et avec nos voix, que le nom de Dieu soit loué. Au chapitre 9, les versets 1 à 6.
Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur. Tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises, comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol, tous les habits couverts de sang sont dévorés par le feu. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de la ville et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brillant amour. Un ennemi tout petit, invisible,
qui porte une multitude de couronnes partout. Coronavirus, ça se voit au microscope. Comme un petit roi qui se multiplie partout dans le monde pour le gouverner par la peur et par la souffrance. Au temps du prophète Ésaïe, le roi cruel qui envahit avec violence le nord du pays d'Israël, c'est le roi d'Assyrie qui a soif de pouvoir. Il prend des décisions qui angoissent et humilient le peuple occupé. Restrictions de liberté, impôts très lourds, gens déplacés, isolés, emprisonnés. Ils ne savent pas quoi faire pour bien faire et aussi se changer les idées. 700 ans plus tard, dans ce même pays, l'occupant sera romain et le roi cruel qui a soif de pouvoir s'appellera Hérode. Là aussi, les gens seront angoissés, obligés de faire des choses qu'ils ne choisissent pas eux-mêmes. Et pour nous, aujourd'hui, face à ce petit mais très puissant Corona Hérode, les lumières dans nos rues, les articles colorés en vente dans les magasins essayent de maintenir un rempart contre l'angoisse, l'isolement, le vide. Mais si nos cœurs sont vides d'espérance et nos esprits n'ont pas d'autre espoir qu'acheter, consommer, skier peut-être, si nous sommes assez riches, pour nous étourdir, ces lumières sont elles-mêmes vides. Elles ne peuvent apporter le soleil de justice qui se lève et fait reculer la nuit. C'est difficile de partager, de trouver de nouvelles manières d'exprimer la tendresse quand on a le cœur vide, sans lumière intérieure. Entrer en avant, c'est accueillir la petite lumière de Noël qui vient faire reculer le doute et le désespoir. Lumière petite, mais qui chauffe très fort, le cœur comme un enfant qu'on embrasse et prend dans ses bras. Avant qu'un autre le prenne dans ses bras et se chauffe le cœur à son tour. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Ça ne s'achète pas, ça se reçoit. Jésus vient naître dans notre monde, notre histoire, là où c'est sombre et fragile, loin des lumières de Bethléem, sur la paille d'une étable. Oui, il vient naître pour nous aujourd'hui, loin des certitudes, et sans les protections qui ont brusquement montré leurs limites, comme les assurances, l'économie, la croyance que la médecine et la science peuvent presque tout si on a assez d'argent. Les gens qui s'éblouissent de leur propre lumière, de leur orgueil, comme le roi Hérode, ne voient pas ce petit roi humble. Ils ne voient pas les gens humbles. Et pourtant, c'est bien lui, devenu le Christ, qui nous propose de régner sur nos vies et les inspirer de la justice et de l'amour de Dieu. Un conseiller juste et vrai, qui refuse la guerre, la peur, l'exclusion et la haine. Et ce roi-là fait lever le soleil d'espérance même dans l'angoisse et les doutes. Et les petits, les sans-abri, les blessés de la vie, les chercheurs de justice qui ouvrent les yeux, le voient et l'accueillent comme les bergers de Bethléem.
avec notre Dieu et la bonne nouvelle de Noël comme une lumière qui réchauffe. Faisons ensemble reculer l'obscurité aujourd'hui et jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Nous écoutons Nuit lumineuse. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui traversent un temps de découragement, qui ont perdu confiance. Unis à toi, nous voulons faire reculer les ténèbres et leur dire qu'ils ne sont pas seuls.
Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui doivent faire des choix pour eux et pour d'autres. Unis à toi, nous voulons faire reculer les ténèbres et apaiser les tensions. Seigneur, nous te confions toutes nos prières silencieuses. Et nous écoutons le chant « Voici Noël, ô douce nuit ». Thank you.
chacun ton enfant, avec joie, nous prions et signons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Thank you.
Voici nos annonces. Alors d'abord, un tout grand merci à nos musiciennes, Margéna à l'orgue et Raya au violon. Thank you.
célébration, après une dernière pièce musicale, nous allons quitter ce lieu sans pouvoir partager un moment de convivialité, et bien sûr nous en sommes un peu tristes. Nous vous invitons à sortir en respectant les distances et les consignes et ne pas vous attarder sur le parvis du temple. Ah oui, nous tenons à chacune et à chacun de vous. Si vous devez échanger quelques vœux, veillez à ne pas former de groupe de plus de 5 personnes. Mais vous pouvez échanger des vœux. Malgré la situation actuelle, nous espérons que ce Noël sera pour vous un moment de joie, de lumière et d'espérance. Faisons reculer la lumière, les ténèbres. Et merci à Anna pour notre belle crèche de Noël.